Bonjour, alors pour ceux qui ne voient pas le lien évident pour moi entre les orphelins de Duplessis, l'internement des aborigènes dans les écoles pensionnats, aussi les jeunes gens qui sont recrutés dans l'armée, plus particulièrement l'armée américaine. Est-ce que j'oublie une population? Bon, grosso modo, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne voient pas le lien entre ces trois populations-là, le lien commun, c'est que tu es déshumanisé. On te traite comme moins que rien. On te traite comme un cobaye. On te force à prendre des vaccins. On te force à prendre de la médication, dans certains cas. Je ne suis pas certaine que les aborigènes qui ont été dans les pensionnats ont été forcés à prendre de la médication. Peut-être, certainement, il y a sûrement certains cas ont dû être forcés à prendre de la médication et à recevoir des électrochocs. Mais c'est plus particulier chez les orphelins de Duplessis, bien entendu. Et je vais glisser un mot. Bien que c'est plus criant dans le cas des enfants de Duplessis, c'est plus évident, ça attire plus l'attention, puis c'est correct que ça attire plus l'attention, parce que c'était des enfants, donc c'est encore plus écœurant, et je comprends très bien ça. Il reste qu'ils ne sont pas les seuls à avoir subi, premièrement, a été faussement diagnostiqué par les psychiatres, et ensuite avoir été faussement, non seulement avoir été faussement étiqueté, mais aussi avoir été forcé à prendre la médication psychiatrique et avoir été mis forcément en salle d'isolement et avoir forcément subi des électrochocs. Ils ne sont pas les seuls, ils sont la population la plus grosse. Et c'est évident, là, je dis pas, mais il faut pas penser que il y a toujours des gens. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a toujours des gens qui tombent dans les cracks. Toujours. Ça arrive tout le temps. Moi, par exemple, quand j'étais un enfant, j'ai tombé dans les cracks. Parce que je subissais de la violence mentale à la maison. Alors, mais, par contre, j'étais, tu sais, faut pas se fier au couvert d'un livre. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'étais une bonne étudiante parce que l'amour puis l'approbation que je recevais plus à la maison, ben je la recherchais dans le milieu scolaire. Je la recherchais auprès des professeurs, fait que c'est certain que j'allais leur plaire.
C'est certain que j'allais faire tout pour le plaire, mais le problème, c'est que j'avais d'excellentes notes, j'étais très tranquille. D'habitude, les enfants turbulents, c'est plutôt les garçons. Les filles ont tendance à vivre de l'intérieur. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est vrai, c'est une tendance. Je ne dis pas là, que tous les garçons extériorisent le mal qu'on lui fait et que toutes les filles intériorisent tout le mal qu'on leur a fait. Je vais juste dire qu'il y a une tendance. Les garçons ont tendance à extérioriser, les filles à intérioriser. Alors moi, étant une fille, j'intériorisais. Et je passais mon temps sur la lune, moi, à l'élémentaire et au secondaire. Absolument. Le seul moment où j'ai cessé d'être dans la lune, c'est quand j'étais à l'université, j'avais plus le choix. Si je voulais suivre, si je voulais avoir des bons résultats, j'avais plus le choix de plus être dans la lune. C'est ça qui m'a forcé. Le fait d'avoir été à l'université m'a forcé à sortir de la lune. Parce que mon élémentaire, mon secondaire, puis une bonne partie de mon cégep, je l'ai passé sur la lune, carrément. Donc oui, ça arrive des personnes qui passent entre les cracks. Ça fait qu'effectivement, c'est le cas. Et bon, faut pas croire que les enfants ont été les seuls qui ont expérimenté, dis-je, des choses horribles par le système qui incluait le gouvernement et la religion, qui est d'ailleurs un mélange à ne pas faire. On en voit les résultats, n'est-ce pas? Puis, oui, puis, en fin de compte, le dénominateur commun, c'est qu'il recherche des personnes vulnérables. Bien entendu, les enfants sont les plus vulnérables, mais pas uniquement les enfants. C'est pour ça que dans l'armée, ils recrutent à partir de 18 ans. Il faut se rappeler, hein, il n'y a pas si longtemps au Québec, la loi de la majorité, c'était 21 ans jusqu'en 1971, et puis là, c'est tombé à 18 ans. Autrement dit, avant 71, dis-je, quand tu avais 18 ans, tu étais encore considéré comme un enfant. Ils ont descendu l'âge de la majorité, dis-je, à 18 ans, en 1971. Fait que là, les personnes qui sont recrutées dans l'armée sont encore, en tout cas, bref, ils se considèrent comme des adultes, mais en réalité, lorsqu'on a un certain âge, on réalise qu'on n'avait pas encore le nombril sec. Hein? Fait que c'est ça. Alors, c'est pas pour rien qu'ils recrutent des personnes jeunes dans l'armée. C'est pas pour rien qu'ils ont ciblé les orphelins de Duplessis. Et ils ont également ciblé les enfants des Autochtones. Aussi, on regarde comment est-ce qu'ont été traités les enfants des Autochtones. Hein, c'est pas compliqué. Hein? La directive était de tuer l'Indien en lui-même, mais dans le cas des orphelins de Duplessis, ça a été de tuer la personne. Hein? C'est-à-dire, que ce soit tuer l'Indien en soi ou de tuer la personne en soi, c'est la même chose. Et c'est la même chose pour le cas des personnes qui sont recrutées dans l'armée, surtout quand ils sont forcés d'aller à la guerre, hein, comme c'est le cas des États-Unis. Bien, encore une fois, l'objectif est de tuer l'individualité, tuer le fait que tu sois unique, le fait tuer ta personnalité, tuer ton individualité, faire de toi un numéro, te faire sentir comme un grain de sable dans l'univers, etc. Alors, c'est en ce sens-là que je vois qu'il y a des liens
que j'ai pensé t'en faire part au cas que toi tu verrais pas des liens, parce qu'il y en a effectivement. Puis, je veux dire, quand tu regardes qu'est-ce que les enfants, les aborigènes ont subi dans les institutions. Le mot-clé aussi, c'est institutionnalisation. Toujours faire attention à l'institutionnalisation. Le premier mot-clé, c'est tuer l'individualité. Tuer ta lumière. Tuer ta personnalité. Tuer ta divinité. Ça, c'est le premier dénominateur commun. Un autre dénominateur commun dont j'ai parlé, c'est de rechercher des personnes vulnérabilisées. Bien entendu, les enfants sont les plus vulnérables, mais pas que. Et le troisième point et dénominateur commun, attention aux institutions. Institutionnalisation est malheureusement toujours, généralement, je vais dire généralement, peut-être pas toujours, mais généralement, institutionnalisation est généralement associée à l'abus. Et à l'abus dont je viens de parler dans les trois populations que j'ai listées. Excusez-moi, j'ai pas pris mon deuxième café, ça paraît. Puis je voulais sortir ça avant, parce que moi, je fais 56 000 choses. C'est ça, ça c'est une autre affaire. Quand je disais de ne pas se fier à la couverture d'un livre, c'est que moi, pendant des décennies, j'ai tenté d'échapper à mon trauma de base. Et j'ai en quelque sorte joué les rôles qu'on m'a donné à jouer, tant bien que mal. C'est sûr que j'avais un choix à faire et je voulais pas devenir une personne qui abuse. Et c'est d'ailleurs pourquoi est-ce que éventuellement j'appelle ça divorcer de mon père, parce que j'avais un choix qui m'était offert, parce que lui, quand j'étais vulnérable, quand j'étais enfant, il m'a horriblement abusé. Et étant adulte, j'avais un choix à faire éventuellement. C'était soit de, compte tenu qu'il a vieilli, bien éventuellement, il est devenu plus vulnérable, n'est-ce pas? Alors, le choix que j'avais, c'était, bon, ben là, je me vire de bord, et puis, je lui fais la même chose qu'il m'a faite, qui était mentale, soit dit en passant. C'était pas de l'abus physique. Mais c'était un expert de l'abus mental, et m'ayant torturé comme il l'a fait, j'avais le choix. Mais je me disais, bon, si je fais ça, je vais devenir comme lui. Parce que si tu acceptes de maltraiter une personne qui est vulnérable parce qu'elle t'a maltraité quand tu étais vulnérable, même si
une circonstance atténuante, hein, n'est-ce pas? Puisque toi-même, tu as été abusé, c'est certain que c'est pas la même chose que si tu vas sur la rue puis que tu prends le premier du bord puis que tu l'abuses mentalement. C'est pas du tout la même chose parce que dans ce cas-ci, cette personne-là t'a rien fait. Alors que dans le cas de moi, ce que j'appelle mon soi-disant père, mais lui, il m'avait bel et bien énormément, extrêmement torturé mentalement. Et il a torturé également mentalement ma mère. Mais c'était juste une circonstance atténuante. Tu sais, je veux dire, en ce sens que avoir retourné la même chose, ben, je serais en quelque sorte devenu comme lui, il ne veut pas. C'est juste que, tu sais, des fois, les gens vont se donner des. Vont faire du mal à quelqu'un, puis ils vont se donner des excuses. Ben, moi, je ne voulais pas changer. Je ne voulais pas devenir. Fait que j'ai eu un. J'avais trois choix, en fait. C'était soit me virer de bord, puis de lui rendre le mal qu'il m'a fait. Deuxième choix, c'était de me suicider. Et le troisième choix, c'était ce que j'appelle divorcer de lui. Même si j'étais pas mariée, il était mon géniteur, père. J'aime pas dire père parce qu'il était pas mon père. Parce que il a pas du tout agi comme un père. Donc, là, je viens de perdre mon autre fil. Donc, c'est ça. J'avais un choix à faire. Puis, le choix que j'ai fait, c'était le choix le plus intelligent. C'est-à-dire, aller non-contact. Et puis, on m'a tellement fait mal que c'était aller non-contact de façon définitive et éternellement. À moins qu'il demande pardon pour... Pas une fausse demande de pardon, parce que ça, c'est souvent utilisé par les narcissistes comme étant un moyen de manipulation. Mais une réelle demande de pardon, ça aurait été une autre histoire. Mais c'est très rare qu'un narcissiste va réellement demander pardon, c'est très rare. Donc, là... Je parlais donc que le troisième élément était l'institutionnalisation. Mais aussi, je disais, faut pas juger un livre par son couvert. C'est-à-dire que je veux plus passer dans les cracks. Et pas recevoir ce dont j'ai droit en tant qu'être humain. Même si ma mère n'était pas une orpheline de Duplessis. Et je reviens au sujet principal, qui est l'institutionnalisation. Il faut faire attention, parce que ce soit dans les asiles psychiatriques, que ce soit les orphelins de Duplessis, que ce soit les pensionnats pour les aborigènes, ou que ce soit le cas des militaires qui sont recrutés, comme j'ai dit, particulièrement l'armée américaine. Parce que si j'ai pas fait l'étude du Canada jusqu'à. Honnêtement, là, j'ai pas recherché ça si jamais c'était arrivé là, que les gens étaient obligés d'aller à la guerre. Peut-être la Première Guerre mondiale, il me semble, la Seconde, je sais plus là. Honnêtement, j'ai pas recherché ça, ok? Mais c'est arrivé que très rarement que des gens ici au Canada avaient été, si c'est arrivé dans l'époque moderne.
Mais je sais qu'aux États-Unis, ils sont bien forts pour aller en guerre. Fait que dans toutes les populations que j'ai mentionnées, c'est l'institutionnalisation. L'institutionnalisation, c'est là pour te conformer, c'est là pour te briser, c'est là pour que tu sois facile à gérer, quitte à te donner de la médication. Ça arrive souvent aux personnes âgées d'ailleurs. C'est pas rare que les personnes âgées reçoivent de la médication psychiatrique, mais est-ce que, tu sais, ça c'est... Là, je vais pas m'embarquer encore dans un autre sujet, parce que on n'en finira plus de ce message-là. Mais vraiment, l'institutionnalisation, surtout l'institutionnalisation publique, dans des cas privés, les pensions pour personnes âgées privées, là, je dirais que généralement sont mieux traitées, hein? Mais le niveau public, c'est comme les écoles publiques, c'est encore, oh oui, c'est un autre bel exemple, les écoles publiques, quand on était enfant, on était peut-être pas aussi maltraité que les orphelins du Plessis et les aborigènes, ok? Je vais te donner ça, mais il reste que il fallait se conformer et s'asseoir sur une petite chaise. Tu sais, nous autres, on était encore à l'époque où est-ce qu'on voulait jouer puis bouger, on avait beaucoup d'énergie. Puis là, ben, il fallait s'asseoir sur des chaises droites, puis des bureaux en bois, puis s'ennuyer pendant des heures. Moi, je passe mon temps sur la lune, mais pour des raisons qui étaient encore plus graves que juste l'expérience publique, scolaire publique. Mais il reste que, on était un peu traités comme des petits soldats, en quelque sorte. Tu vas faire pipi à telle heure, tu bois à telle heure, tu manges à telle heure, la récréation, etc. En fait, on a été entraînés à être comme des petits robots, en quelque sorte. C'est ça. Puis, le programme en question n'était pas fait en sorte que les individus pouvaient développer leur côté artistique. Hein? Pas de façon générale, n'est-ce pas? Surtout, on recule quelques décennies là, ici. Dernièrement, j'ai pas mis les pieds dans un milieu scolaire primaire. Ok, fait que je parle pas des années presque 2020. Là. C'est pas de ça que je parle. Fait que même à ce niveau-là, ils sont pas été, je le répète encore, les enfants n'ont pas été aussi maltraités que les orphelins de Duplessis et que les aborigènes qui, des fois, littéralement, trouvaient la mort tant qu'ils étaient maltraités. Et il y avait d'autres maltraitances aussi, mais c'est ça, c'est... Mais il reste que... C'est pas l'école publique que moi j'ai expérimentée. Ça n'a pas été extrêmement enrichissant. Oui, on a appris à écrire puis à compter. Bon. Mais à part de ça, ça n'a pas été fort. Fait que c'est une sorte d'institutionnalisation aussi, l'école publique. C'est ça que j'étais en train de dire. Mais, encore une fois, quand on enlève les parents du décor, ou quand les parents ne sont pas dans le décor parce qu'on les a socialement dévalorisés, comme dans le cas à l'époque des filles mères. Et pourtant, ces filles mères-là, je veux dire, ils ont quand même rendu à terme leurs enfants au lieu de se faire avorter. Hein? Je veux dire... Puis il faut aussi dire que ces personnes-là qui pointaient du doigt généralement étaient des personnes aussi qui agissaient de la même façon. Tu sais, quand
pointe du doigt, par exemple, les homosexuels, ou qu'on pointe du doigt les filles mères, ou n'importe quelle autre population. C'est une façon de ne pas se regarder, hein, plus souvent qu'autrement. Parce qu'on ne va pas à croire qu'il n'y avait pas des femmes à l'époque qui couchaient hors mariage, ou des hommes aussi qui couchaient hors mariage à l'époque. C'est juste qu'il n'y avait pas d'enfant. Mais est-ce péché d'avoir un enfant? C'était ça, en fond. Hein. C'est de pointer les filles mères puis de faire subir aux orphelins de Duplessis ce qu'ils ont subi, puis la honte sociale, etc. Quand tu analyses ça comme faux, en fin de compte, il y avait beaucoup de personnes qui avaient de la sexualité en dehors du mariage, c'est juste qu'il n'y avait pas d'enfant ou qui se faisaient avorter. Mais dans le cas des mères, des orphelins de Duplessis, ben, ils ont eu des enfants. Fait qu'encore une fois, est-ce qu'on... le fait que les filles mères ont été pointées du doigt par l'Église catholique et d'autres personnes, les communautés religieuses, etc., dans le fin fond de l'histoire, c'était complètement idiot, parce que il était en train de dire, ben, le fait d'avoir mis un enfant au monde, c'était mal, dans le fin fond de l'histoire. Puis, ça en est passé des murs, puis des pas murs chez les sœurs, hein? On commencera pas à en parler, mais oui, effectivement, sans parler des frères aussi, sans parler des prêtres, des curés, on connaît toute l'histoire de la pédophilie, n'est-ce pas? Et certaines religieuses ont abusé d'enfants aussi, plus qu'on aimerait le croire. Parce que malheureusement, il y a aussi des femmes qui abusent des enfants. Alors, je ne voulais pas donner la fausse impression que je ne voulais pas parler de ça. Mais le sujet de ce vidéo, c'était de mettre en évidence que je ne suis pas dans le tort de parler de ces différents... de parler des similitudes de ces différents groupes. Et je vous en ai expliqué le pourquoi. Et si vous vous êtes rendu jusqu'ici, bien, je vous remercie de votre écoute. Parce que, effectivement, ça a été un petit peu plus long que je pensais. Merci. Et puis, gênez-vous pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce. Je sais que je suis une personne... J'ai une riche expérience. J'ai une vie très difficile. Mais par contre, j'ai une riche expérience. Puis je peux parler de différentes choses. Et je m'intéresse à plusieurs problèmes sociaux. Dont ceux que j'ai mentionnés ici. Mais pas que. Alors voilà.